Qui a provoqué la mort de Rayana? Est-ce que c'est le policier ou est-ce que c'est celui qui ne s'est pas arrêté? Cette situation anormale, c'est le chauffeur de la voiture de Rayana qui l'a créée. C'est que le contrevenant ne s'arrête pas quand le policier lui dit de s'arrêter. Si tu dis à l'ensemble des gens qui t'écoutent, il faut vous arrêter lorsque la police vous fait signe de le faire, tu protèges les chauffeurs, les passagers, les policiers et la société. Lorsque tu demandes simplement des réponses parce que tu as envie que l'on fasse disparaître de la police celui qui a tiré, tu ne permets pas à ceux qui ne comprennent pas qu'il faut s'arrêter lorsqu'un policier te dit de le faire. Et c'est pour ça que notre pays fonctionne. Mettez vos enfants en garde. Certains de vos camarades peuvent vous emmener faire des choses qui pèseront sur votre vie tout le temps ou sur le reste de la famille si vous mourrez. Si quelqu'un vient te cambrioler, si on vient te menacer, tu seras très contente de voir que les policiers armés viennent chez toi pour te défendre. Donc nous, on a envie que les policiers continuent à être armés. On a envie que les policiers continuent à faire respecter la loi. On n'a pas envie qu'il y ait des gens qui se fassent tuer dans ce type de conditions, qu'ils s'arrêtent lorsque les policiers leur disent de s'arrêter. Ah, tu n'es pas d'accord? Bien vite. Alors tu vas là, je te prie. Ajoute maurice.usa sur Skype.